Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour. Donc nous serons le mardi 8 août 2023 et on va voir ensemble ce que vous réserve cette journée. Donc on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner, qui va être présente tout autour de vous. Alors, nous avons le message, nous avons le 9 de cœur. Donc cette carte vous parle d'épanouissement, d'harmonie et de protection. Donc on a une très belle énergie qui ressort ici pour cette journée. On voit que vous allez ressentir beaucoup d'amour, vous allez pouvoir partager de l'amour autour de vous avec le symbole des cœurs. Mais aussi on nous parle d'épanouissement, on nous parle de bien-être et on voit aussi que vous allez vous sentir protégé. Donc il y a une énergie enveloppante qui va être présente autour de vous. C'est aussi une énergie très douce. Donc, on va continuer et on va voir les messages avec le Gilded Rêverie, le Normand. On a déjà la carte du Mont. Donc, on voit ici que vous avez envie de dépasser certains blocages, d'aller au-delà peut-être de certains ralentissements qui sont présents. Alors, à la coupe, nous avons la carte du jardin. Je remets ma pierre. La carte du jardin et nous avons la carte du pont. Donc, à la coupe, ici, on voit de nouvelles rencontres, de nouveaux liens qui vont se créer. Et on nous indique une étape importante que vous traversez actuellement. On voit aussi beaucoup de partage pour cette journée. Ça peut être aussi le fait de vous réunir avec des personnes autour de vous, le fait de célébrer un moment important. Et on voit vraiment une étape que vous traversez. Mais c'est une étape qui va être importante pour pouvoir aller de l'avant. Donc, on va faire le tirage. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a le masque, on a la boussole et on a la carte des chouettes ou des hiboux, je ne sais jamais. Mais en tout cas, ici, on voit pour cette journée qu'il y a quelque chose d'un petit peu mystérieux. On voit aussi des révélations, des messages que vous allez recevoir, des messages assez puissants qui vont vous permettre de vous orienter, de prendre une nouvelle direction. Mais on voit aussi que les masques vont pouvoir tomber. On voit que vous allez y voir plus clair. Dans une situation, il va y avoir des éclaircissements qui vont arriver. Alors, nous avons la carte du cœur, nous avons le pont, nous avons la lune, le soleil, l'anneau, magnifique, on a les nuages, la loupe, la lettre et nous avons la carte du mont. Donc ici, il est question d'un engagement avec une personne. On peut nous parler d'un mariage, on peut nous parler aussi d'une concrétisation dans une relation, mais ça peut être aussi de manière symbolique. C'est vraiment le fait de vous engager avec une personne, de concrétiser vraiment de nouveaux projets avec la personne de votre cœur. Il est question aussi d'un engagement concernant une passion que vous avez, concernant quelque chose qui émotionnellement est très important pour vous. On a aussi la lune et le soleil. Donc quand ces deux cartes ressortent ensemble, ça nous indique vraiment des énergies très puissantes, très intenses qui vont être présentes, à la fois beaucoup d'intuition et à la fois des énergies très solaires qui vont être présentes. On nous indique vraiment que vous allez pouvoir suivre vos intuitions, avoir confiance dans vos projets et on nous parle aussi d'épanouissement. Avec le soleil, il va y avoir beaucoup de bien-être, beaucoup de joie qui va arriver vers vous. On nous indique aussi qu'il y a quelque chose qui est en train de s'éclaircir au fur et à mesure du temps. On voit vraiment avec les nuages qu'il y a des choses justement où vous allez y voir plus clair, où on voit aussi que vous allez pouvoir avancer par rapport à des doutes, des incertitudes qui pouvaient être présentes. Et on nous parle justement avec la loupe du fait que vous allez y voir beaucoup plus clair, vous allez approfondir certaines choses. On peut nous parler aussi de recherche ici. On a quand même la loupe et on a aussi la lettre. Donc ça peut être des recherches aussi concernant un projet que vous avez, concernant quelque chose qui est très important pour vous. Et on nous indique que vous allez pouvoir vraiment dépasser les obstacles qui sont présents. Mais avec l'anneau au centre, il est question d'engagement. Il est question aussi peut-être d'un contrat, d'une signature qui va pouvoir arriver. On peut nous parler aussi de documents officiels. Et on voit vraiment ici que vous allez pouvoir réaliser un projet qui est très important pour vous. Il est question vraiment pour cette journée d'une étape importante qui va pouvoir se concrétiser. Et on voit aussi beaucoup de ressentis qui vont être présents et qui vont pouvoir vous guider.
Donc ça, ce sont les énergies qui ressortent. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages avec les 77. Donc j'ai toujours une carte qui se colle. Donc ici, nous avons la lettre. Donc justement, on nous parle d'un courrier, d'une nouvelle, principalement une nouvelle écrite. Mais ça peut être aussi des démarches administratives. Ça peut nous parler de papier également. Donc, on va voir les messages. Alors, à la coupe, nous avons l'île et nous avons le manque. Donc ici, on peut nous parler de vacances, on peut nous parler d'un temps de repos où vous allez pouvoir justement faire le point sur quelque chose dont vous avez besoin, quelque chose qui est important pour vous. Mais ça peut nous indiquer aussi qu'il y a une personne qui vous manque, une personne à laquelle vous pensez énormément. On peut aussi nous parler d'introspection. Avec cette carte, on voit vraiment que vous allez prendre du recul sur tout ce qui vous entoure. Alors, on va voir les énergies. Une, deux, trois, quatre, cinq, six et sept. Alors, au dos du jeu, on a la carte de l'été. On a le désir et on a la carte de l'euro. Donc ici, on peut nous parler d'une rentrée d'argent. On peut nous parler aussi de richesse, d'abondance de manière générale. On voit vraiment que vous suivez ce qui vous passionne, ce qui vous tient à cœur. Et ici, on a la saison de l'été. Donc on est vraiment dans ces énergies de désir, de suivre justement tout ce qui vous tient à cœur. On peut nous indiquer aussi qu'il y a un projet que vous souhaitez mettre en place depuis longtemps qui va pouvoir se concrétiser. Alors, nous avons la carte de l'avion, nous avons la transformation, le vert, le oui, les chemins, nous avons l'ascension et nous avons la carte de la clé. Ici, on peut nous parler d'un voyage, on peut nous parler aussi de quelque chose qui va se mettre en place rapidement, d'énergies qui sont en train de bouger actuellement. On voit aussi qu'il est question de célébrer quelque chose d'important. Donc ça peut être aussi, je ressens, une annonce qui va vous être faite. Quelque chose vraiment qui va vous mettre en joie, qui va vous permettre vraiment de célébrer quelque chose d'important. Et on voit aussi une transformation qui se met en place. Avec cette carte, on nous parle aussi de fin de cycle, on nous parle aussi de libération, de nouvelles énergies qui vont pouvoir se présenter à vous. On peut effectivement nous indiquer que vous allez recevoir un message plus rapidement que prévu. Il y a une réponse positive qui va arriver à vous et on voit que cela va être très bénéfique. On nous indique aussi qu'il y a plusieurs voies, plusieurs possibilités qui se présentent à vous actuellement. Il est question pour vous de faire un choix, de pouvoir prendre une direction et on voit vraiment que les choses sont en train d'évoluer, sont en train de progresser. On nous parle aussi d'ascension au niveau spirituel, vraiment d'élévation intérieure. Avec la clé, on a des solutions qui sont en train d'arriver, une situation qui va pouvoir se débloquer. Donc vraiment, on a de très belles énergies, on voit que les choses sont en train d'avancer, on voit aussi un moment de partage. Cette carte peut aussi nous parler d'une invitation de la part d'une personne et on voit vraiment que vous allez pouvoir avancer. Il y a une très belle évolution qui va se mettre en place. Donc, on va continuer et on va voir aussi les messages avec l'oracle des miroirs. Alors, on va voir les énergies. On nous parle de naissance, donc quelque chose de nouveau. La naissance d'un nouveau projet, peut-être la naissance d'une relation. En tout cas, quelque chose qui va démarrer, dans lequel vous allez pouvoir mettre en place de nouvelles choses. Alors, nous avons l'étranger et nous avons la distance. Donc ici, on voit quelque chose qui, pour le moment, est un petit peu mystérieux. Peut-être une nouvelle voie, un nouveau chemin. Mais en tout cas, on voit que vous allez pouvoir vous lancer. Et avec ces énergies, on nous indique aussi que vous allez prendre de la distance avec certaines choses. On peut nous parler aussi d'une connexion que vous avez avec une personne qui vit loin de vous. Alors, on va voir les messages. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit et neuf. Alors ici, nous avons la carte de l'accusation. Donc peut-être qu'on vous a reproché certaines choses à tort. Peut-être que ici justement, il y a eu des tensions dans une relation. Il y a eu vraiment ici le fait de
comme si, pardon les amis, j'ai du mal à trouver les mots qui correspondent, mais comme s'il y avait eu quelque chose qui n'avait pas été aligné, comme si on vous avait reproché quelque chose et maintenant vous êtes en train d'y voir plus clair dans cette situation. Alors nous avons la carte du contrat, nous avons le retard, le retour, nous avons la femme, nous avons l'enfant, la fatalité, l'évolution, la réunion et nous avons la carte du travail. Ici, on nous parle d'un contrat, on nous parle d'une signature qui arrive avec du retard. On voit aussi quelque chose qui va se représenter à vous, mais ça peut aussi représenter le retour d'une personne de votre passé. Ça peut nous indiquer aussi qu'il va y avoir une seconde chance concernant un projet que vous avez. On nous parle aussi de quelque chose qui va se concrétiser concernant un enfant. Donc ça peut être en lien avec votre enfant, un enfant de votre entourage. On peut nous indiquer aussi qu'il y a une personne qui va revenir dans votre vie. On nous indique en tout cas quelque chose qui arrive soudainement, qui va être très bénéfique, qui va permettre de faire évoluer les choses. On a aussi la consultante. Donc ça peut vous représenter si vous êtes une femme, ça peut aussi représenter la femme la plus proche de vous. Mais on voit en tout cas que vous êtes connecté à vos intuitions pour vous lancer dans un nouveau projet. Il est question aussi d'évolution, d'ascension. On voit vraiment que vous allez pouvoir mettre en place de nouvelles choses, avancer dans vos projets. On nous indique aussi que vous allez vous réunir avec des personnes autour de vous. On peut nous parler justement de discussion, d'un moment de partage où vous allez pouvoir faire le point dans une situation. Il est question aussi peut-être d'une réunion concernant un projet que vous avez au niveau professionnel. On nous parle vraiment d'un renouveau par rapport à votre carrière. Et on a aussi cette notion de contrat. Donc on a bien cet engagement qui va pouvoir arriver. Donc ça, ce sont les énergies. Alors on va voir aussi les messages avec le petit oracle. Le petit oracle de l'intuition. On va voir quels sont les messages. Alors, à la coupe, on nous parle de bonheur magnifique et on nous parle de pardon. Donc, vous allez faire la paix avec une personne ou aussi par rapport à un événement en particulier et on voit vraiment un soulagement. On voit beaucoup de bonheur, beaucoup de joie qui va arriver. On nous indique vraiment un épanouissement, beaucoup de bien-être qui va arriver vers vous. Alors, nous avons la carte de la rapidité. Donc, vraiment, les choses sont en train de s'accélérer. On voit des énergies qui sont en train de bouger. Les choses vont se mettre en place plus rapidement que prévu. On nous parle d'abondance magnifique. Donc, on voit que vous allez recevoir de nouvelles énergies. Vous allez être récompensé pour vos efforts, pour tout ce que vous avez mis en place. On a aussi l'intuition. Donc, ici, de fortes intuitions qui sont présentes, beaucoup de ressentis qui vous guident pour manifester aussi l'abondance dans votre vie, pour recevoir de nouvelles choses. Donc vraiment, on vous invite à être à l'écoute de votre petite voix intérieure. On a aussi la transformation. Donc on a quelque chose de très profond, de très intense en vous, où vous vous sentez énormément guidé, où vous êtes dans une période de transformation actuellement. Il y a aussi beaucoup d'énergie qui sont en train d'être libérées. Et on a quand même de très belles cartes. On nous parle vraiment d'abondance, de récolte, de prospérité dans tout ce que vous allez recevoir. On voit aussi un accord. Donc ici, on peut nous parler d'un contrat. On peut nous indiquer aussi que vous allez faire la paix avec une personne. Vous allez trouver un compromis. Mais aussi, on voit un engagement qui va pouvoir se concrétiser. On voit effectivement une union. Donc ça confirme bien ici un engagement avec une personne. On peut nous parler de mariage, effectivement. Mais on peut nous indiquer aussi qu'il y a une concrétisation dans une relation. Le fait vraiment de vivre quelque chose de très intense, de très profond, où vous avez aussi énormément d'intuition. On nous parle aussi de paix, donc il y a quelque chose qui est en train de s'apaiser. Vous allez retrouver la sérénité, la tranquillité dans une relation. On voit vraiment quelque chose de très profond, de très intense. On a aussi la carte de la jalousie, donc on vous invite à la prudence, il peut y avoir de la jalousie autour de vous concernant quelque chose qui va se concrétiser, mais on voit que malgré tout, vous avez la possibilité de concrétiser vos projets. Et on a aussi la carte de l'enfant, donc ça peut être en lien, ça peut représenter votre enfant, un enfant de votre entourage, mais ça peut représenter aussi quelque chose de nouveau dans une relation, dans un engagement qui va pouvoir arriver.
Et on a aussi le don, donc on voit ici des capacités qui deviennent de plus en plus intenses, vraiment des ressentis qui sont de plus en plus importants, et on voit vraiment des choses qui sont en train de s'éveiller à l'intérieur de vous. Donc voilà les énergies, j'espère que ce tirage a résonné en vous. Et on va voir aussi les messages au niveau sentimental. Donc on va voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons l'intuition et nous avons la carte des désaccords. Donc au niveau amoureux, ici, on voit beaucoup de ressentis, beaucoup de messages qui sont présents en vous, peut-être par rapport à des tensions qui étaient présentes. Mais vraiment, vous allez suivre votre bonne étoile, vous allez vous sentir guidé pour vous libérer de blocages qui pouvaient être présents. Alors, on va voir les énergies. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de l'abondance. Donc, l'abondance nous indique que vous allez recevoir de nouvelles énergies au niveau sentimental. Il y a vraiment quelque chose de très bénéfique qui va se présenter à vous. Donc, je reviens, les amis. Alors, je suis de retour. Donc, on va voir les énergies au niveau sentimental. Nous avons l'amour passionnel. Nous avons la personne rivale, la séparation, la fidélité, l'énergie tierce. Nous avons le changement, le féminin sacré, l'instabilité et nous avons la carte de l'hiver. Donc, ici, on nous parle d'une relation où il y a énormément de passion, où vraiment il y a une forte attraction qui est présente. On peut nous indiquer qu'il y a une personne justement qui est envieuse par rapport à ce lien que vous avez. On voit une personne qui peut être rivale par rapport à cette relation. On nous indique aussi qu'il y a eu peut-être une séparation avec cette personne ou un temps de pause, un temps de réflexion où vous avez pris énormément de recul. On nous indique que c'est un lien indestructible, donc vraiment une connexion très forte que vous avez avec cette personne, vraiment beaucoup de pureté, beaucoup de bienveillance dans cette relation. On nous indique aussi qu'il y a peut-être encore des peurs, des doutes qui sont encore présents, mais vous allez pouvoir retrouver l'équilibre, vous allez pouvoir retrouver la stabilité, et surtout avec cette énergie, on voit de fortes intuitions qui vont pouvoir vous guider. On nous indique vraiment un changement qui va se mettre en place. Et avec l'hiver aussi, c'est une libération qui va pouvoir arriver vers vous. Donc, on va voir aussi quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Nous avons la carte de l'automne et nous avons la carte de la communication. Donc, dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on voit que c'est quelqu'un qui se libère par rapport à certaines énergies. On voit que c'est quelqu'un qui a envie de communiquer avec vous, d'exprimer ce qu'il ou ce qu'elle ressent. C'est quelqu'un qui a envie justement de pouvoir exprimer ses ressentis depuis longtemps et qui vit une transformation intérieure. On va voir aussi quel est votre état d'esprit au niveau amoureux. Alors, nous avons le désir et nous avons la réconciliation. Donc, au niveau sentimental, vous ressentez beaucoup d'attraction, beaucoup de désir par rapport à la personne de votre cœur. Et on voit que vous allez pouvoir faire la paix avec une situation en particulier. On voit aussi un désir de vous réconcilier avec cette personne, de pouvoir vraiment apaiser certaines énergies. On va voir aussi les messages pour les personnes célibataires. Alors, nous avons le déménagement, nous avons l'abondance et nous avons la prise de distance. Donc, pour les personnes célibataires, on nous parle d'un nouveau départ dans votre vie amoureuse. Ça peut être un déménagement qui va se concrétiser, un grand changement de vie. Il est question aussi d'abondance, de nouvelles énergies qui vont se présenter à vous. Et on voit aussi que vous allez pouvoir prendre du recul par rapport à tout ce qui vous entoure. Vous allez vraiment vous sentir protégé, vous sentir guidé. On va voir aussi les messages pour les personnes en situation de séparation. Alors, nous avons la carte des schémas répétitifs, nous avons la réflexion et nous avons la joie et le bien-être. Donc, pour les personnes en situation de séparation, on voit quelque chose qui va se représenter à vous. On nous indique aussi que vous allez pouvoir réfléchir, faire le point dans votre relation
et on nous indique aussi beaucoup de bien-être, beaucoup de joie, mais surtout d'épanouissement qui arrive. On voit vraiment que vous allez pouvoir lâcher prise, peut-être par rapport à certains blocages qui pouvaient être présents. On va voir aussi les messages pour les personnes qui sont en couple. Donc nous avons la carte de l'alignement, nous avons la déclaration d'amour et nous avons la carte de la découverte. Pour les personnes qui sont en couple, on nous parle de soulagement, on nous parle d'alignement dans votre relation. On voit aussi que la personne de votre cœur va vous déclarer ses sentiments, va vous ouvrir son cœur. Il y a vraiment quelque chose de très important qui va se manifester dans votre relation. Beaucoup de déclics, beaucoup de prises de conscience. On voit avec cette carte vraiment qu'il y a comme une révélation qui va arriver. Mais ça peut être aussi justement un changement important qui va se manifester dans votre relation. Donc ça, ce sont les énergies qui sont présentes. En tout cas, j'espère que ce tirage a résonné en vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce tirage vous a parlé. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages des breloques. Alors, nous avons la cigogne. Donc, la cigogne peut nous parler d'un grand changement, d'un déménagement. Ça peut être vraiment un nouveau départ qui va arriver pour vous. Concernant votre foyer, on voit beaucoup de soutien, on voit beaucoup d'entraide. Ça peut être vraiment beaucoup de complicité avec une personne. Il est question aussi de quelque chose qui va s'ancrer, qui va pouvoir se construire. Au niveau amical, on a la lettre S. Donc, ça peut être les initiales d'un ami, d'une amie, d'une personne avec qui vous avez beaucoup de complicité. On a aussi quelque chose d'inattendu, quelque chose de soudain qui va arriver dans une relation amicale et on voit que vous allez recevoir de nouvelles choses. Au niveau sentimental, nous avons l'abeille. L'abeille, c'est quelque chose qui grandit, qui prend une place de plus en plus importante. C'est une relation aussi qui est en train d'évoluer. On a aussi des nouvelles d'une personne, ça peut être aussi quelqu'un qui va vous rendre visite. On voit aussi que vous allez prendre de nouvelles décisions. Vous allez pouvoir vous libérer d'une situation. Au niveau professionnel, il y a un alignement au niveau spirituel. On voit des messages de vos guides qui vous apportent vraiment des éclaircissements. Et on nous parle aussi de stabilité. Au niveau financier, on voit que vous suivez vos rêves, vous avez espoir dans vos projets. On nous indique aussi beaucoup de stabilité. Avec la guitare, il y a aussi un projet qui vous tient à cœur, une passion que vous avez. Et on a aussi le cristal, donc des énergies très puissantes au niveau matériel. Donc ça, ce sont les énergies. Alors, on va voir aussi les messages des anges. Donc, vous allez pouvoir choisir entre ces deux magnifiques galets que vous pouvez retrouver dans ma boutique en ligne. N'hésitez pas à faire un petit tour. Vous avez toutes les informations en barre de description de la vidéo. Donc pour la première pierre, vous avez une magnifique labradorite. Et pour la deuxième pierre, vous avez un améthyste, une améthyste chevron. Donc ça, ce sont les pierres. Je vous laisse faire votre choix et on va voir quel est le message pour vous. Alors, on va commencer par le message du galet en labradorite. Donc, le galet en labradorite, la labradorite, c'est une pierre vraiment qui est un bouclier contre les énergies négatives. C'est une pierre aussi que vous pouvez porter sur vous si vous êtes très sensible aux énergies. Et c'est une pierre aussi qui va développer les intuitions et les ressentis. Donc, nous avons le 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Donc ici, on vous invite vraiment à demander de l'aide à vos anges et à vos guides pour qu'ils puissent vous accompagner dans la situation que vous vivez. Et on va voir aussi le message du galet en améthyste chevron. Donc l'améthyste chevron, c'est une pierre qui va apaiser vraiment le stress, les craintes. C'est une pierre aussi qui peut permettre d'avoir des rêves lucides et d'avoir un sommeil beaucoup plus serein.
Donc, le message pour vous, c'est le messager de la pensée. Un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Donc ici, avec cette carte, on voit que vous allez pouvoir développer de nouvelles idées qui sont présentes en vous. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, plein de gros bisous. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour recevoir les notifications dès que je poste une nouvelle vidéo. Je vous fais encore plein de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.